petite. Juste pour vous parler de mon nouveau projet, donc en cartonnage. Donc là, j'ai une commande à faire, donc ça va me prendre plusieurs jours. Parce que là, c'est un gros projet. Bon, j'ai pas encore fait aussi gros jusqu'à maintenant. Ça va être une mini commode pour mettre des fils à broder, les fils à brodeuse. Voilà. Et donc, ça va être une mini commode avec plusieurs tiroirs. Il va y en avoir 4. Donc, il va y avoir énormément de pièces à découper. Là, je viens de tracer toutes mes pièces, enfin, une partie de toutes mes pièces sur mes cartons. Déjà, rien que pour les tracer, je viens de passer une bonne heure et demie, rien que pour tracer toutes les pièces. Et là, il me reste à tracer les pièces pour les intérieurs de tiroirs, mais ça, je vais les faire après. Une fois que j'aurai fait les tiroirs, pour bien mesurer, pour pas faire de bêtises, et puis donc je préfère les faire après. Donc en tout, j'ai tracé, alors j'ai pas calculé, alors j'ai tracé combien? Attends, ma fifille. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 6, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 54, 56 pièces que je viens de tracer pour l'instant. Oh, arrête, fifi! Je viens de tracer 56 pièces donc sur 3 plaques de carton. Donc, c'est des plaques qui font 60 sur 80. Donc maintenant il va falloir que je découpe toutes ces pièces. C'est un modèle quand il sera terminé qui fera environ 47 cm sur 47 et sur 26 cm. En sachant que là je vous dis, je viens de tracer les 56 pièces sur carton, donc sur le carton gris, donc sur celui-là. Je vais vous montrer si Fifi veut bien se bouger. Voilà. Donc, sur ce carton-là, j'ai utilisé 3 plaques comme ça. Vous hein, voyez? Mais en sachant donc que je dois encore faire les intérieurs et je dois faire aussi tous les gainages, toutes les pièces de gainage. Donc les pièces de gainage, il y en a pour ainsi dire autant. Il y en a une bonne cinquantaine aussi, je pense, à découper. Car entre 40 et 50 à découper. Donc, j'ai du boulot sur la planche, comme on dit. Là, ça a du boulot sur le carton. Donc, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure la construction de cette commode. Qui sera faite en tissu aussi. Quand j'aurai terminé cette commode, donc j'ai la commande d'une boîte pour un livre et je vais faire également la couverture d'un travel notebook. Donc ça, j'en ai jamais fait, mais bon, je vais en faire une en cartonnage. Donc ça, vous le verrez également. Et j'aurai également j'ai également une commande pour une commode un peu plus, enfin en mesure, je crois qu'elle est à peu près pareille, sauf que là il va y avoir un peu plus de tiroirs. Cette commande-là, sur cette commode, il y aura entre 14 et 18 tiroirs. Voilà, il faut encore que je voie avec la personne. Et sur cette commode, il y aura des tiroirs sur le devant et des tiroirs sur l'arrière. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de boulot. Là, d'ailleurs, je vais recommander du carton parce que ben, je vais tomber en panne sinon. Là, j'attends les tissus pour ma deuxième commande, pour la boîte et le notebook. Et pardon.
Et sur cette commode ici, je vous avais déjà montré le tissu que j'allais utiliser. Je n'ai pas pris le thé noir. Je vais vous le montrer. Si j'ai tout de suite sous la main, oui. Voilà. Donc, bon, là, je vous montre qu'un seul tissu. Les intérieurs, tout ça, je ne l'ai pas sous la main. Donc là, ça va être ça. Voilà. Ce sera avec des chats. Voilà. Donc, la commande que je suis en train de faire, donc là, ce sera avec ce tissu-là. Donc là, j'ai du boulot, boulot, boulot. Mais bon, je voulais vous faire une petite vidéo bah, pour vous donner, pour vous dire ce que j'allais faire cette semaine. Et bah, là, j'ai du taf un peu pour 15 jours, 3 semaines, je pense. Mais bon, ça va. Je préfère avoir du boulot, hein. Sinon, oui, ben voilà, maintenant il faut que je découpe tout ça. Là, bon, il est quelle heure? Il est 11h moins le quart. Je pense que je vais tout découper cet après-midi. Les cartes bulles, je vais les découper, les faire après que j'aurai fait les gros assemblages, je pense. Comme ça, je peux mesurer, voir qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que bon, je préfère revoir, parce que au lieu de recouper, bon, je préfère mesurer, puisque c'est bon mettre dans les intérieurs, tout ça. Voilà. Donc voilà mes projets pour les jours à venir. Il faut que j'essaye aussi entre deux ben, de coudre le sac. J'ai toujours pas fait. Donc ça, je vais le faire. Et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Donc voilà, moi c'était... Oh, Fifi, t'es stressante. Allez. C'était mon petit coucou du jour pour vous dire ce que j'allais faire. Voilà. Donc je vous dis, cette commode, ce sera une commode rectangulaire avec quatre tiroirs. Donc il y a trois... Il y a trois petits tiroirs, il y a deux grands tiroirs et il y aura des casiers dans certains tiroirs, des petits casiers où il n'y en aura pas. Je vais voir comment je vais faire au fur et à mesure. T'es stressante. Hein? Tu veux être sur la vidéo et puis tu fais l'imbécile. Donc voilà. Donc cet après-midi, j'ai du découpage de carton. Alors, ça va y aller. Le poignet va en prendre un coup. Puis là, bon, cette semaine, de toute façon, j'ai rendez-vous chez mon docteur. Oh, puis j'ai un rendez-vous. Mais alors, excusez-moi l'expression, hein. Je m'excuse à l'avance, mais casse-couille. Mais casse-couille. Que bon, quand j'étais, vous savez, j'étais licenciée par rapport à mon invalidité, et la séance sociale m'a demandé quand même que je m'inscris à Pôle emploi parce qu'elle m'avait dit j'avais quand même le droit à peut-être à du chômage. Bon, effectivement, j'ai un petit peu de chômage, mais vraiment un petit peu. Ça me rend pas vraiment, ça me rend pas plus riche, hein, mais bon. Et là, bah, du coup, pour l'emploi, bien sûr, tous les jours, on voit des annonces pour le boulot, mais bon, je ne peux pas travailler de toute façon. Et là, maintenant, ils me convoquent à une réunion pour, ça s'appelle le Cap Emploi, pour les personnes handicapées, pour leur expliquer, pour retrouver du travail, comment il faut faire, et blabla. Donc, ça dure 3 heures. Bien sûr, il faut y aller. Et j'ai regardé un peu sur Internet. Et ça risque d'être conduit 12 fois. 12 matinées. 12 matinées pour nous apprendre à faire un CV, une lettre de motivation. Alors, moi, je sais faire tout ça. Hein, j'ai travaillé dans les bureaux, j'étais patron. Donc, mais bon, ça me gave.
Alors que de toute façon, quand on a... Alors c'est ça qui est... C'est un peu n'importe quoi. Parce que quand vous êtes en invalidité catégorie 2, comme moi, ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler. Voilà, c'est bien noté hein, dans les papiers. Invalide catégorie 2, vous n'êtes plus en capacité de travailler. Mais si vous... Mais, dans la loi, ça vous dit aussi que si vous souhaitez travailler, vous pouvez. Donc c'est du grand n'importe quoi. Moi, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc on verra bien. Donc j'ai rendez-vous le 11, le 11 avril. Donc je vais y aller, parce que c'est obligatoire. Je vais y aller, puis on verra bien ce qu'ils vont me dire. Et puis je verrai avec eux. De toute façon, c'est pas pour le peu que le chômage me donne. Avec ce qu'ils me donnent, je fais pas une semaine de course, hein, je vous rassure. Hein, même pas. Hein. Puisqu'ils se basent sur la pension que la Sécu vous donne. Donc, c'est vraiment. Petit. Hein? Est-ce que ça paye les croquettes à Fifille? Un petit peu. Hein? Ça paye un petit peu les croquettes de Fifille. Bon, enfin, voilà. Bon, mais je voulais vous faire ce petit coucou, vous dire mon nouveau projet. Et donc, cet après-midi, ben, on va couper le carton. Et je commencerai à faire cette commode. Je filmerai, bien sûr. Non, regarde, t'es coincé dans le carton, au folle. Elle est folle, ce chat est fou. Ce chat est fou. Tu veux des gratouilles sur la boudaine? Tu veux des gratouilles sur la boudaine? Oh, elle aime bien les gratouilles sur la boudaine. Bon, le soleil est revenu. Hier, on a eu une mini tempête, des grêles, l'orage, on a eu la totale. Mais là, bon, dès que le soleil est là, j'espère qu'il va rester. Hein, Fifi? Oui. Mais bon, ce matin, il y avait gelé. Hein. Donc, on verra bien. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour la suite donc de cette commode. Et puis pour d'autres vidéos également. Je vais voir ce que je vais vous faire. Il y a les ATC, la suite des ATC que je dois vous faire aussi. Donc je vais faire ça entre deux pour me changer aussi un peu les idées. Mais ça, les ATC, ça va très vite à faire. Donc voilà. Ah, ma grosse. Une croche. Dis au revoir. Dis au revoir à la caméra. Au revoir. Voilà. Allez, gros bisous. À plus tard. Soyez sages. À bientôt.